que ce que vous faites ne sert jamais à rien. On laisse ses empreintes. Disent que l'adolescence, c'est l'âge où on s'amuse et on se fait des amis. Et ça... Couche pour adulte. T'as raison. Mais ce jour-là, tout a changé. Mon père était coincé au boulot. Ça, vous savez pas qui bossait, lui. Allô ? Hey, bah l'appareil. Allô ? Père, est-ce que t'as bien pris tes cachets ? La clé de mon... Ça va aller. Ton père croit que j'ai pas besoin d'une arme pour les... C'est quoi ce qu'il a ? C'est Alzheimer ? Démence sénile. Il était carrément flippant, ce mec. Si t'as besoin de moi, t'as qu'à crier. Shelley ! Bouge pas, tu m'attends. Blanche. Je sais que vous croyez que j'ai perdu la tête. Mais je croyais pouvoir te protéger du danger. J'aimerais que tu saches que... Vu que ces événements d'adar et des crises d'angoisse, ça ne veut pas dire être fou. D'accord, mais il n'y a pas que ça. Ça vient d'une histoire. Quand j'étais petit... Et tu considères l'homme qui a fait ça comme un être inhumain, donc monstrueux. Sauf que c'était forêt. Et les enquêteurs disent qu'il a eu une crise cardiaque. Ils ont trouvé de l'ADN animal sur la fourchette qu'il tenait. Ils ont abandonné l'enquête. Tu es très proche? Porto Rico. J'ai pour échapper au monstre. Il venait me garder très souvent. 11 heures passées, qu'est-ce qu'il fait debout? Tu sais, je vais devenir... ...ne sont pas difficiles. Leurs serres s'enfoncent dans les chairs de leur... D'accord. Bon, alors, il était une fois... Il vivait sur une jolie petite île au large du Pays de Galles, dans un foyer brillant, et qui fumait la pipe. Au ciel se transforme... Et Victor... Ils avaient tous les deux la force. Emma, où elle est, elle pouvait flotter dans le ciel. Elle était survolée à la dérive. Et maintenant, elle est où? Elle est où, Tigriscu? Il est temps que tu dormes. Il m'appelait Tigriscu. Tu peux rester vivre avec tes parents? Parce que là où on vit, géante, avec de l'ombre. C'est que pendant des années, j'ai vraiment cru à toutes ces histoires. Ma maîtresse dit que ces photos sont... Je t'ai toujours dit la vérité, Tigriscu. Ton père sait parfaitement bien que je suis allé vivre. Il dit qu'on t'a envoyé au Pays de Galles à cause des méchants en Pologne. Il a dit que les enfants n'étaient pas comme les autres. D'accord, d'accord. Ah, je m'en souviens. Elle est top. Tu sais, t'as toujours été beaucoup plus proche de lui que moi. C'était un grand-père. Soir ou partir en déplacement. Tant de Suzy est vénérée, mais c'est comme ça. Joyeux anniversaire, cousin! Eh, hey, c'est super que tu viennes à la maison pour l'été. Je l'ai trouvé quand j'ai vidé la maison. Je me suis dit qu'il te l'aurait sûrement offert. Pour Jake. Avoir de vos nouvelles. J'espère aussi que vous nous rendrez visite bientôt. Tout à fait possible que cette dame soit encore en vie. Mais oui. Golan, l'état psychique de Jake nous préoccupe beaucoup en ce moment. Et il, et il écrirait son bouquin. Comme ça, toi, tu ferais un break. Et de visiter ce foyer pour enfants et ainsi distinguer fantasme et réalité.
limité avec le lieu du naufrage du transatlantique L'Augusta qui a sombré le 10. Oh! Waouh! C'est probablement ce qui a inspiré à grand-père l'histoire de la transformation. Hartman était mon grand-père! Ne vous fiantez pas dessus, s'il vous plaît! Quoi, ça... Bonjour! Oh, y a quelqu'un? Patron. Et moi? Pardon de vous avoir fait attendre, j'ai emmené l'oncle. Eh ben, Kev va préparer notre suite. J'avais juste envie d'y aller, j'étais un petit coup d'œil. Je peux y aller tout seul au foyer pour... Il y aura bien quelqu'un dans le village pour m'accompagner. C'est de l'île. Et donc, tu te rappelles pas? Quand Julie a dit Docteur Barbouze, ça fait penser à Bouze de Vache. Du Pays de Galles. Vas-y, Mort, montre ce qu'on sait faire au requin. Quoi? Petit porc du cri au poulet. Ah, quoi? On descend vraiment là? Une chaussure de perdue, 10 de retrouvée, t'en fais pas. Bombardé par la Luftwaffe. En plein sur le toit. Oh, pauvre gamin. Ils étaient adorables en plus. On fait tuer. Ça, même ton grand-père aurait eu du mal à en faire. Tu sais, tu devrais parler de ça. Tu es Emma? Non, vous avez été tués. Vous êtes tous morts. Non. Tu as couru, tu t'es mis à hurler et pour finir, tu t'es cogné la tête. Vous pourriez... Quoi? Pour retourner dans quoi? On n'a pas le temps, Jake. Où est-ce que tu cours comme ça? Dans ma chambre. Ouais. Non, enfin... Être un militaire américain? Foutaise! Regardez-moi cette tête. Je suis un touriste. J'ai une idée. On va l'interroger à ma manière, on va lui faire... T'as vu, toi, non? Toute la vaisselle qui volait, qui explosait, c'était... Oui. T'es tout nu, là? Oui. Combien es-tu en 1943? On est en 1943. J'espère que le tenancier du pub et la police ne vont pas revenir tambouriner ici. Peut-être déclencher un tout petit incendie. Mais... Il se voit que mon cher Abe m'a envoyé une photographie, vous n'étiez qu'un poupon. Mais entrez... Effectivement 49,5 kg, n'est-ce pas? Bronwyn et les jumeaux sont revenus 6 minutes... Pour le rejoindre en courant. Emma et Millard vous suivez de très près avec le bogey à la vitesse moyenne. Exactement 16h13. Sinon, vous prenez du sucre? Interrompe votre petit goûter. Vous savez, alors. Allons prendre le thé dans le jardin. Merci. Vous m'expliqueriez tout. Il avait parfaitement raison. Il y a fort peu de choses que je ne puisse... Fiona, vous avez 51 secondes de retard.
Excusez-moi, Miss Perry. Les personnes sont particulières. Un gène récessif qui se transmet dans ces persécutés depuis la nuit des temps. C'est pour cela que nous vivons dans des endroits comme ça. Pour ma part, ça ne sert pas à grand-chose. Le principal talent d'une ombre brune est la manipulation. Là, permet de sauvegarder les dernières 24 heures. Si on renouvelle la boucle intérieure. Pile à l'heure, Bronwyn. Bravo. Et donc, toutes les ombres brunes s'engagent à créer et diriger un... Désolé. Qu'est-ce que tu fais? Si vous êtes incapable de jouer au ballon sans vous chamailler, autant ne pas jouer. Ça nous fera beaucoup de bien, un peu de sang neuf. Et pas tant de votre cheval que vous connaissez aussi. Je pense qu'on a vu tout le monde. Ça, Dieu seul le sait. De toute façon, Enoch boude depuis qu'on est sorti chercher Jake. Miss... C'est pas leur faute. Tu es personne, si? Non, elle va sans doute l'amadouer. Il est... possessif. Quel bébé écureuil. Prendre cette corde et me la passer autour de la taille. Ouais. Faisait avant. J'ai su. Miss Peregrine avait deviné et elle a toujours raison. Eh bien, c'est l'impression que j'avais. D'avoir. Est-ce qu'il était comme toi? On se dînait avec nous? Je dois rentrer tôt, c'est la consigne. On mange à 10. Tu peux prendre les vêtements d'Aide pour te changer. Ça change. Oh, je ne suis pas inquiet. Un petit conseil d'homme à homme, c'est ni quand on lui a brisé le cœur. Et elle ne reviendra pas là-dessus. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est même pas ce qu'il y a de plus marrant. Tu veux... encore plus marrant avec des gens. Tu aurais dû voir les terribles combats que j'organisais. D'autres boucles? Vraiment? Pour faire quoi? Tu as arrêté de les poser. Et s'il vous plaît, une personne bien éduquée ne descend pas dîner toute nue. Vous avez vu Enoch? Il est jaloux. La visite, c'est tout. N'en parlons plus, personne ne va se marier. Allons, dépêchons-nous de manger pendant... Où est ton voile? Ça doit te faire vraiment... Attention. Attention, Olive, souvenez-vous qu'on ne doit pas poser de questions. Père, pourquoi ne mangez-vous pas? Elle est gênée à cause de Jack. Jake, quelle est votre particularité? Oh, non, moi, je ne suis pas... Jack nous rend visite, et c'est tout. Il pourrait avoir envie de rester. Il n'a pas envie de rester, Jack. Il va à l'extérieur, prendre du bon temps et devenir adulte. Il va nous quitter. Pardon? Où est-ce qu'elle va? Ce n'était vraiment pas gentil, Enoch. Petit bébé. Les enfants. Je sais, j'ai une idée. Le temps que je réponde au téléphone, préparez-vous pour la séance. Allô? C'est Abe. Je t'ai mis double dose de marshmallow. Millard. Mais un pyjama. C'est lassant quand tout le monde connaît chaque mot par cœur. Et pas tant de votre chemise. On parle de vêtements. Prémonitoire? Voyons. Horace a sûrement fait un mauvais rêve et puis c'est tout. Thank you.
Ça suffira pour ce soir. Merci, Horace. On est tout à fait en sécurité sur cette île, non? Oui, bien sûr. Les petites pierres. Tu veux pas au moins rester pour le renouveau? C'est vraiment très... C'était mon portable. Mec, on peut appeler et envoyer des messages écrits, tu vois. Rien, c'est juste que ça fait drôle de se dire que tu deviendras adulte plus tard. Ma fille. Alors que moi, je serai ici. Si je passe plus de quelques minutes à ton époque, les années me rattraperont. J'ai l'impression que c'est... Je dois aller la soigner, tu devrais rentrer, toi. Je reviendrai demain. Inutile. Hé ! Ah, j'étais en train de m'éclater avec Morve et Docteur Fresh. Et tu fais des trucs que tous les ados font. Oh, je crois que tout ça est énorme. Ils sont là, il y a le Morveux et Freshman. C'est toi, Cap. Écoutez, monsieur, je sais pas ce qui s'est passé ici, mais mon fils et ses amis se sont pas... Aujourd'hui. Jake. De faire ça. Allez, je crois qu'on s'est tout dit. Mon fils ne se morfondrait peut-être pas toute la journée dans une maison en ruine, à sombrer. Très bien. Tu vas mal, Jake. Peter, je veux qu'on aille à la plage ensemble. Jusqu'à la fin de ce petit... Très chère Miss Peregrine, je ne voudrais pas vous inquiéter, mais si mes souvenirs sont exacts, c'est là que se trouve la boucle de mes plus grandes précautions. Affectueusement, Abe. Janvier. Hola, bah moi c'est la playa. Oh. T'as vu? En pleine zone de nidification. C'est un plaisir de croiser un ornithologue amateur. John Lamont, enchanté. Première qualité, je prends quelques clichés pour illustrer mon futur ouvrage. Méga photo sur papier glacé, personne ne voudra du mien. Je vais le chercher si vous voulez. Non, je t'interdis de sortir. C'est où elle est? J'espère qu'il va s'en remettre. Elle, pas il. Les ombres. Cette correspondance ne vous est pas attribuée. Si mon grand-père fréquentait des individus dangereux, il faut me le dire. J'en ai vu par terre dans la forêt, avec des trous à la place des yeux. Ça vous évoque? Tellement fâcheux. Une ombre une a le devoir de protéger les enfants, Jack. Oh, comme ça. Mais toi, rien ne t'empêche de le faire. De toute façon, tu veux que je m'en aille. Sans avoir d'ennui. Tu veux que je te le présente? Tu devrais être contente. On est tous les trois. Pousse-toi. Knock. Laisse Victor tranquille. Ça fait beaucoup de peine à Bronwyn. Viens plutôt jouer avec nous dans le jardin. Après toi. Bonjour, Victor. Je m'appelle Jake. C'est Victor. Tu veux savoir comment je suis? Vous voilà. Enoch est avec vous. C'est l'heure de la promenade. Cette question. J'en ai vu un le soir où mon grand-père a été tué. En pleine, vous avez une photo? Suis-moi. Il y a un endroit où je vais.
sais qui c'est? C'est Baron. Lui, c'est le chef. Abe a consacré sa vie à les traquer. Cela déboucle. Et tous leurs occupants, dont des dizaines d'enfants, ont été... J'ai? De quoi? Mais non, pas du tout. Je suis pas comme vous. Non, ça peut pas être vrai. Jour idéal pour créer une boucle. Mais Miss Peregrine a dû faire celle-ci en urgence. 23 n'était pas un jour idéal. La chose qui a tué Victor. Je me souviens, mon grand-père m'avait parlé. Constance. Mais sachez qu'en faisant cela, je briserai une promesse solennelle. Vous ayez une enfance ordinaire, ça lui tenait très à cœur. Ça, il n'y a aucun doute. Terrain. Ah, je vais vous montrer. Il y a bien des années de ça. C'est Monsieur Baron. Il pensait qu'en extrayant la quintessence des pneus au point d'expérience. S'est pas transformé. Si, il l'avait souhaité, mais des sépulcreux. Invisibles, monstrueux. Aaron avait découvert qu'en consommant les yeux d'autres particuliers, il changeait d'apparence. Forme humaine. Bon appétit. C'est ce qu'on fait, Baron. Le reste du groupe est toujours sépulcre. Mais il a mis un sépulcre sur la piste d'Abe. Hélas, discrète. Avec le temps, les sépulcres sont de plus en plus affamés. Et tout à coup, j'ai heurté un obstacle. Bam, bam. Et tellement nombreux, je ne sais comment j'ai réussi à leur échapper. Poule au sous-sol, ils sont encore là-bas. La machine? Pour l'expérience. Les sépulcres, ils attaquent butés et égorgés dans l'île. Ils pourraient être déjà là, selon vous? Il faut que nous partions d'ici. Quoi? Nous prendrons le ferry demain à... Peregrine n'est pas là pour renouveler la boucle. Demain, la maison sera en ruine. Mais... c'est chine. Ça, j'ai quand même une famille. Et tu te sentais ordinaire. Tu disais que quoi que tu fasses... Que toi qui puisses voir les sépulcres. Oui, je les vois, bien sûr, mais... Il y a une seule chose qui pourrait me décider à rester... Tu es là. Je suis rassuré. Non, parce que je sais que quand un chien trouve un animal blessé, quelque... Faut que j'y aille, excuse-moi. Quoi? Que... Non. Toi, tu... Et cet homme? Et lui, il a passé l'après-midi au pub. Mais moi aussi. Ce même ferry que moi. Je n'ai pas arrêté de le croiser. Votre fils se sent bien? Tous les matins. Vous avez pu traverser la... Vous êtes très malaisé de trouver les boucles de nos jours. Vous voulez dire... ...de ma particularité est de pouvoir exploiter pleinement mon image. On s'est déjà croisé devant chez ton grand-père. Rien ne saurait arrêter un sépulcre quand il a l'écran. Il est en chemin. Et laisse-moi te dire une chose. Il n'y a pas une seconde à perdre. Après toi. Lane Savocette. Pourrions-nous entrer, s'il vous plaît?
descendre, s'il vous plaît? C'est moi qui donne les ordres dans cette maison, monsieur Barry. De faire en sorte que tout le monde obéisse. Les enfants! Chut! Mais Jack, nous allons faire ce que monsieur Barron suggérera. Quant à vous, il aimerait que vous alliez dans une pièce qui ferme à clé telle que le petit salon. Vous allez sacrifier votre vie et la nôtre pour Jake? Écoute, Enoch, il n'y a que Jake qui les voit. Ça veut dire que c'est... Il faut rester ici. Il n'y a que dans la maison qu'on a une chance. Il a tout à fait raison. Et fermer tous les volets. Il faut absolument condamner tous les passages. Tout de suite, on se dépêche. Vous ne me connaissez pas encore. Je m'appelle Jake. Eh bien. Je voudrais seulement... Et aussi, tu es le meilleur grand-père du monde. Notre principal objectif est de rester sain et sauf. Je me charge du sépulcre. Normal du temps va reprendre. De retourner à notre époque, mais pas pour toi. Toi, tu peux continuer à... Et donc, il n'ira pas en Floride? Abe, non. Notre boucle est fermée pour toujours. Je sais que tu choisiras Abe. Si on n'en sort pas avant qu'elle se referme, on sera coincé en janvier 2016. Excellent. Sauver les ombres et ressortir. Oui, si on n'est pas mort entre-temps. J'ai un plan, mais j'ai besoin de l'aide de tout le monde. Son entrée n'importe où. Il y en a une dans un tunnel de métro à Londres. Millard, j'aurai besoin de tes services. Ça va. Je
voit combien de sépulcres? Baron n'est pas encore tout à fait au complet. Donc, ils n'ont pas encore commencé l'expérience. Bien, Jane. Nous. Sépulcre, monsieur Baron. Et nous sommes venus chercher Miss Peregrine. Ces jeunes gens sont probablement aussi dingues. D'ailleurs. Où êtes-vous? Je suis ici, vous suiviez monsieur Archer et monsieur Clark. Ils vont vous emmener à la fête avec nos amis sépulcreux. Ces jeunes gens ont tué Malthus. J'ai eu besoin de 2 minutes pour qu'ils m'indiquent l'emplacement de la boucle de Miss Peregrine. Exercé en tant que thérapeute pendant 3 semaines. Mais qu'est-ce que vous faites encore ici? Allez-y. Devrions-nous déplacer les ombrunes maintenant? Vous plaisantez? Un œil supplémentaire qui lui permettrait de recouvrer assez d'humains et de non 3 jours dans une île galloise à devoir prétendre à ma vie est réduite à néant. Revenez ici tout de suite! Neutralisez-les! Tu crois? Comme un être ordinaire. Oh, un secret de la vie éternelle. Désolé de vous interrompre. Tu m'as encore raté, Jake. J'en déduis que la précision n'est pas ta part. J'aimerais beaucoup avoir l'adresse de ton tailleur. Avec cet engin. Très bien, les autres retrouvent. Je ne t'ai pas apprécié comme j'aurais dû.
Bon, moi je vise beaucoup mieux que Jake, alors personne ne bouge avant qu'on tire ça au clair. Non, Baron. Il tient tout ça de moi. J'étais en thérapie avec elle. Je vais tout raconter. Non, j'ai une idée. J'ai un don que personne d'autre n'a. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. Sauf que j'ai promis à Miss Peregrine que... En 1943, chaque jour nous vieillirons gentiment. On n'a plus besoin de toi pour se sentir en sécurité. Pour chemin jusqu'en 1943. Peut-être, mais tu sais où ils étaient. Le plus proche était dans le désert de Californie. C'est 2 mois à Londres à essayer. Thank you.
que ce que vous faites ne sert jamais à rien. On laisse ses empreintes jusqu'à l'adolescence, c'est l'âge où on s'amuse et on se fait des amis. Et ça... Couche pour adulte. Ouais, t'as raison. Mais ce jour-là, tout a changé. Mon père était coincé au boulot. Ça, je savais pas qui bossait, lui. Allô, hey, bah l'appareil. Allô. Père, est-ce que t'as bien pris tes cachets? La clé de mon... Ça va aller. Ton père croit que j'ai pas besoin d'une arme pour les... C'est quoi ce qu'il a? C'est Alzheimer? Démence sénile. Il était carrément flippant, ce mec. Si t'as besoin de moi, t'as qu'à crier. Chélie! Bouge pas, tu m'attends. Blanche. Je sais que vous croyez que j'ai perdu la tête. Mais je croyais pouvoir te protéger du danger. J'aimerais que tu saches que... Vu que ces événements d'adar et des crises d'angoisse, ça ne veut pas dire être fou. D'accord, mais il n'y a pas que ça. Ça vient d'une histoire. Quand j'étais petit... Et tu considères l'homme qui a fait ça comme un être inhumain, donc monstrueux? Sauf que c'était forêt. Et les enquêteurs disent qu'il a eu une crise cardiaque. Ils ont trouvé de l'ADN animal sur la fourchette qu'il tenait. Ils ont abandonné l'enquête. Tu es très proche? Porto Rico. C'est pour échapper au monstre. Il venait me garder très souvent. 11 heures passées, qu'est-ce qu'il fait debout? Tu sais, je vais devenir... ...ne sont pas difficiles. Leurs serres s'enfoncent dans les chairs de leur... D'accord. Bon, alors, il était une fois... Il vivait sur une jolie petite île au large du Pays de Galles, dans un foyer brillante, et qui fumait la pipe. Au ciel se transforme... Et Victor... Ils avaient tous les deux la force. Emma, où elle est, elle pouvait flotter dans le ciel. Elle était s'envolée à la dérive. Et maintenant, elle est où? Elle est Tigriscu. Il est temps que tu dormes. Il m'appelait Tigriscu. Tu peux rester vivre avec tes parents? Parce que là où on vit, géante, avec de l'ombre. C'est que pendant des années, j'ai vraiment cru à toutes ces histoires. Ma maîtresse dit que ces photos... Je t'ai toujours dit la vérité, Tigriscu. Ton père sait parfaitement bien que je suis allé vivre. Il dit qu'on t'a envoyé au Pays de Galles à cause des méchants en Pologne. Il a dit que les enfants n'étaient pas comme les autres. Ah, je m'en souviens. Elle est top. Tu sais, t'as toujours été beaucoup plus proche de lui que moi. C'était un grand père. Soir ou partir en déplacement. Tant de Suzy est vénéré, mais c'est comme ça. Joyeux anniversaire, cousin! Eh, hey, c'est super que tu viennes à la maison pour l'été. Je l'ai trouvé quand j'ai vidé la maison. Je me suis dit qu'il te l'aurait sûrement offert. Pour Jack. Avoir de vos nouvelles. J'espère aussi que vous nous rendrez visite bientôt. Tout à fait possible que cette dame soit encore en vie. Mais oui. Golan, l'état psychique de Jack nous préoccupe beaucoup en ce moment. Et il écrirait son bouquin. Comme ça, toi, tu ferais un break. Et de visiter ce foyer pour enfants et ainsi distinguer fantasme et réalité.
proximité avec le lieu du naufrage du transatlantique, l'Augusta, qui a sombré le disque. Oh! Wow! C'est probablement ce qui a inspiré à grand-père l'histoire de la transformation. Parkman était mon grand-père! Ne vous fiantez pas dessus, s'il vous plaît! Quoi, ça... Bonjour? Oh, y a quelqu'un? Patron. Et moi? Pardon de vous avoir fait attendre, j'ai emmené l'oncle. Eh ben, Kev va préparer notre suite. J'avais juste envie d'y aller, j'étais un petit coup d'œil. Je peux y aller tout seul au foyer pour... Il y aura bien quelqu'un dans le village pour m'accompagner. T'es de l'île? Et donc, tu te rappelles pas? Quand Julie a dit docteur Barbousse, ça fait penser à Bousse de Va. Du pays de gueule. Vas-y, mort, montre qu'on sait faire au requin. Quoi? Petit porc du cuir au poulet. Ah, quoi? On descend vraiment là? Une chaussure de perdu, 10 de retrouvée, t'en fais pas. Bombardé par la Luftwaffe. En plein sur le toit. Oh, pauvre gamin. Ils étaient adorables en plus. On fait tuer. Ça, même ton grand-père aurait eu du mal à en faire. Tu sais, tu devrais parler de ça. Tu es Emma? Non, vous avez été tués. Vous êtes tous morts. Non. Tu as couru, tu t'es mis à hurler et pour finir, tu t'es cogné la tête. Vous pourriez... Quoi? Pour retourner dans quoi? On n'a pas le temps, Jake. Où est-ce que tu cours comme ça? Dans ma chambre? Ouais. Non, enfin... Être un militaire américain? Foutaise! Regardez-moi cette tête! Je suis un touriste! J'ai une idée. On va l'interroger à ma manière, on va lui faire... T'as vu, toi, non? Toute la vaisselle qui volait, qui explosait, c'était... Oui. T'es tout nu, là? Oui. Qu'en es-tu en 1943? On est en 1943. J'espère que le tenancier du pub et la police ne vont pas revenir tambouriner ici. Peut-être déclencher un tout petit incendie. Mais... Une fois que mon cher Abe m'a envoyé une photographie, vous n'étiez qu'un poupon. Mais entrez... Effectivement 49,5 kg, n'est-ce pas? Bronwyn et les jumeaux sont revenus 6 minutes... Pour le rejoindre en courant. Emma et Millard vous suivaient de très près avec le bogey à la vitesse moyenne. Exactement 16h13. Sinon, vous prenez du sucre? Interrompre votre petit goûter. Vous savez, alors. Allons prendre le thé dans le jardin. Merci. Vous m'expliqueriez tout. Il avait parfaitement raison. Il y a fort peu de choses que je ne puisse... Fiona, vous avez 51 secondes de retard.
Excusez-moi, Miss Perry. Les personnes sont particulières. Un gène récessif qui se transmet dans ces persécutés depuis la nuit des temps. C'est pour cela que nous vivons dans des endroits comme ça. Pour ma part, ça ne sert pas à grand-chose. Le principal talent d'une ombre rune est la manipulation. Là, permet de sauvegarder les dernières 24 heures. Si on renouvelle la boucle derrière. Pile à l'heure, Bronwyn. Bravo. Et donc, toutes les ombres runes s'engagent à créer et diriger un... Désolé. Qu'est-ce que tu fais? Si vous êtes incapable de jouer au ballon sans vous chamailler, autant ne pas jouer. Ça nous fera beaucoup de bien, un peu de sang neuf. Et pas tant de votre cheveu. Que vous connaissez aussi. Je pense qu'on a vu tout le monde. Ça, Dieu seul le sait. De toute façon, il knock boot depuis qu'on est sorti chercher Jake. C'est pas leur faute. Tu es personne, si? Non, elle va sans doute l'amadouer. Il est... possessif. Quel bébé écureuil. 37 cordes et me l'a passé autour de la taille. Ouais. Faisait avant. J'ai su. Miss Peregrine avait deviné et elle a toujours raison. Eh bien, c'est l'impression que j'avais. D'avoir. Est-ce qu'il était comme toi? On se dînait avec nous? Je dois rentrer tôt, c'est la consigne. On mange à 10. Tu peux prendre les vêtements d'Aïe pour te changer. Sa chambre. Oh, je ne suis pas inquiet. Un petit conseil d'homme à homme, c'est ni quand on lui a brisé le cœur. Et elle ne reviendra pas là-dessus. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est même pas ce qu'il y a de plus marrant. Tu veux... encore plus marrant avec des gens. Tu aurais dû voir les terribles combats que j'organisais. D'autres boucles? Vraiment? Pour faire quoi? Tu as arrêté de les poser. Et s'il vous plaît, une personne bien éduquée ne descend pas dîner toute nue. Vous avez vu Enoch? Il est jaloux. La visite, c'est tout. N'en parlons plus, personne ne va se marier. Allons, dépêchons-nous de manger pendant... Où est ton voile? Ça doit te faire vraiment... Attention, Olive, souvenez-vous qu'on ne doit pas poser de questions. Père, pourquoi ne mangez-vous pas? Elle est gênée à cause de Jake. Jake, quelle est votre particularité? Oh, non, moi, je ne suis pas... Jake nous rend visite, et c'est tout. Il pourrait avoir envie de rester. Il n'a pas envie de rester, Jack. À l'extérieur, prendre du bon temps et devenir adulte. Il va nous quitter. Pardon? Où est-ce qu'elle va? Ce n'était vraiment pas gentil, Enoch. Petit bébé. Les enfants. Je sais, j'ai une idée. Le temps que je réponde au téléphone, préparez-vous pour la séance. Allô? C'est Abe. Je t'ai mis double dose de marshmallow. Millard. Mais un pyjama. C'est lassant quand tout le monde connaît chaque mot par cœur. Et pas tant de votre chemise. On parle de vêtements. Prémonitoire? Voyons. Horace a sûrement fait un mauvais rêve et puis c'est tout.
suffira pour ce soir. Merci, Horace. On est tout à fait en sécurité sur cette île, non? Oui, bien sûr. Les petites pierres. Tu veux pas au moins rester pour le renouveau? C'est vraiment très... Et envoyer des messages écrits, tu vois. Rien, c'est juste que ça fait drôle de se dire que tu deviendras adulte plus tard. Ma fille. Alors que moi, je serai ici. Si je passe plus de quelques minutes à ton époque, les années me rattraperont. J'ai l'impression que c'est... Je dois aller la soigner. Tu devrais rentrer, toi. Je reviendrai demain. Inutile. Hey. Ah, j'étais en train de m'éclater avec Morve et Docteur Fresh. Et tu fais des trucs que tous les ados font. Oh, je crois que tout ça est énorme. Ils sont là, il y a le Morveux et Freshman. C'est toi, Cap. Écoutez, monsieur, je sais pas ce qui s'est passé ici, mais mon fils et ses amis se sont pas... Aujourd'hui. Jake. De faire ça. Allez, je crois qu'on s'est tout dit. Mon fils ne se morfondrait peut-être pas toute la journée dans une maison en ruine, assombrée. Pas bien. Tu vas mal, Jake. Peter, je veux qu'on aille à la plage ensemble. Jusqu'à la fin de ce petit... Très chère Miss Peregrine, je ne voudrais pas vous inquiéter, mais si mes souvenirs sont exacts, c'est là que se trouve la boucle de mes plus grandes précautions. Affectueusement, Abe. Janvier. Hola, bah moi c'est la playa. Oh. T'as vu? En pleine zone de nidification. C'est un plaisir de croiser un ornithologue amateur. John Lamont, enchanté. Première qualité, je prends quelques clichés pour illustrer mon futur ouvrage. Méga photo sur papier glacé, personne voudra du mien. Je vais le chercher si vous voulez. Non, je t'interdis de sortir. Où elle est? J'espère qu'il va s'en remettre. Elle, pas il. Les ombres. Cette correspondance ne vous est pas adressée. Si mon grand-père fréquentait des individus dangereux, il faut me le dire. J'en ai vu par terre dans la forêt, avec des trous à la place des yeux. Ça vous évoque? Tellement fâcheux. Une ombre une a le devoir de protéger les enfants, Jack. Oh, comme si... Mais toi, rien ne t'empêche de le faire. De toute façon, tu veux que je m'en aille. Sans avoir d'ennui. Tu veux que je te le présente? Tu devrais être contente. On est tous les trois. Pousse-toi. Noc, laisse Victor tranquille. Ça fait beaucoup de peine à Bronwyn. Viens plutôt jouer avec nous dans le jardin. Après toi. Bonjour, Victor. Je m'appelle Jake. Moi, c'est Victor. Tu veux savoir comment je suis? Vous voilà. Enoch est avec vous. C'est l'heure de la promenade. Cette question. J'en ai vu un le soir où mon grand-père a été tué. En pleine, vous avez une photo? Suis-moi. Il y a un endroit où je vais.
sais qui c'est? C'est Baron. Lui, c'est le chef. Abe a consacré sa vie à les traquer. Cela des boucles. Et tous leurs occupants, dont des dizaines d'enfants, ont été... J'ai... De quoi? Mais non, pas du tout. Je suis pas comme vous. Non, ça peut pas être vrai. Jour idéal pour créer une boucle. Mais Miss Peregrine a dû faire celle-ci en urgence. 23 n'était pas un jour idéal. La chose qui a tué Victor. Je me souviens, mon grand-père m'avait parlé. Constance. Mais sachez qu'en faisant cela, je briserai une promesse solennelle. Vous ayez une enfance ordinaire, ça lui tenait très à cœur. Ça, il n'y a aucun doute. Terrain. Ah, je vais vous montrer. Il y a bien des années de ça. C'est Monsieur Baron. Il pensait qu'en extrayant la quintessence des points au point d'expérience. Ne s'est pas transformé. Si, il l'avait souhaité, mais des sépulcreux, invisibles, monstrueux. Aaron avait découvert qu'en consommant les yeux d'autres particuliers, il changeait d'apparence. Forme humaine. Bon appétit. C'est ce qu'on fait, Baron. Le reste du groupe est toujours sépulcre. Mais il a mis un sépulcre sur la piste d'Abe. Hélas, discrète. Avec le temps, les sépulcres sont de plus en plus affamés. Et tout à coup, j'ai heurté un obstacle. Bam, bam. Et tellement nombreux, je ne sais comment j'ai réussi à leur échapper. Poule au sous-sol, ils sont encore là-bas. La machine? Pour l'expérience. Les sépulcres, ils attaquent une et égorgés dans l'île. Ils pourraient être déjà là, selon vous? Il faut que nous partions d'ici. Quoi? Nous prendrons le ferry demain à... Peregrine n'est pas là pour renouveler la boucle. Demain, la maison sera en ruine. Mais... c'est une... Une ça, j'ai quand même une famille. Et tu te sentais ordinaire. Tu disais que quoi que tu fasses... Que toi qui puisses voir les sépulcres. Oui, je les vois, bien sûr, mais... Mais moi... Il y a une seule chose qui pourrait me décider à rester... Tu es là. Je suis rassuré. Non, parce que je sais que... Quand un chien trouve un animal blessé, quelque... Faut que j'y aille, excuse-moi. Quoi? Que... Non. Toi, tu... Et cet homme? Et lui, il a passé l'après-midi au pub. Mais... Moi aussi. Ce même ferry que moi. Je n'ai pas arrêté de le croiser. Votre fils se sent bien? Tous les matins. Vous avez pu traverser la... Vous êtes très malaisé de trouver les boucles de nos jours. Vous voulez dire... ...de ma particularité est de pouvoir exploiter pleinement mon image. On s'est déjà croisé devant chez ton grand-père. Rien ne saurait arrêter un sépulcre quand il a l'écran. Il est en chemin. Et laisse-moi te dire une chose. Il n'y a pas une seconde à perdre. Après toi. Laisse ça vous sept. Pourrions-nous entrer, s'il vous plaît?
descendre, s'il vous plaît. C'est moi qui donne les ordres dans cette maison, monsieur Barnes. De faire en sorte que tout le monde obéisse. Les enfants! Chut! Mais Jack, nous allons faire ce que monsieur Barron suggérera. Quant à vous, il aimerait que vous alliez dans une pièce qui ferme à clé telle que le petit salon. Vous allez sacrifier votre vie et la nôtre pour Jake? Écoute, Enoch, il n'y a que Jake qui les voit. Ça veut dire que c'est... Il faut rester ici. Il n'y a que dans la maison qu'on a une chance. Il a tout à fait raison. Et fermer tous les volets. Il faut absolument condamner tous les passages. Tout de suite, on se dépêche. Vous ne me connaissez pas encore. Je m'appelle Jake. Eh bien. Je voudrais seulement... Et aussi, tu es le meilleur grand-père du monde. Notre principal objectif est de rester sain et sauf. Je me charge du sépulcre. Normal du temps va reprendre. De retourner à notre époque, mais pas pour toi. Toi, tu peux continuer à... Et donc, il n'ira pas en Floride? Abe ne... Notre boucle est fermée pour toujours. Je sais que tu choisiras Abe. Si on n'en sort pas avant qu'elle se referme, on sera coincé en janvier 2016. Sauver les ombres brunes et ressortir. Oui, si on n'est pas mort entre-temps. J'ai un plan, mais j'ai besoin de l'aide de tout le monde. Son entrée n'importe où. Il y en a une dans un tunnel de métro à Londres. Millard, j'aurai besoin de tes services. Ça va. Je me
pouvoir combien de sépulcres? Baron n'est pas encore tout à fait au complet. Donc, ils n'ont pas encore commencé l'expérience. Bien, Jake. Nous. Sépulcreux, monsieur Baron. Et nous sommes venus chercher Miss Peregrine. Ces jeunes gens sont probablement aussi dingues. D'ailleurs. Où êtes-vous? Je suis sûr que vous suiviez monsieur Archer et monsieur Clark. Ils vont vous emmener à la fête avec nos amis sépulcreux. Ces jeunes gens ont tué Malthus. J'ai eu besoin de 2 minutes pour qu'il m'indique l'emplacement de la boucle de Miss Peregrine. Exercé en tant que thérapeute pendant 3 semaines. Mais qu'est-ce que vous faites encore ici? Allez-y! Devrions-nous déplacer les ombrunes maintenant? Vous plaisantez? Un supplémentaire qui lui permettrait de recouvrer assez d'humains et de nos 3 jours dans une île galloise à devoir prétendre à ma vie est réduite à néant. Revenez ici tout de suite! Neutralisez-les! Tu crois? Comme un être ordinaire. Oh, un secret de la vie éternelle. Désolée de vous interrompre. Tu m'as encore raté, Jake. J'en déduis que la précision n'est pas ta part. J'aimerais beaucoup avoir l'adresse de ton tailleur. Avec cet engin. Très bien, les autres, retournez. Je ne t'ai pas apprécié comme j'aurais dû. Yep.
Bon, moi je vise beaucoup mieux que Jake, alors personne ne bouge avant qu'on tire ça au clair. Non, Baron. Il tient tout ça de moi. J'étais en thérapie avec elle. Je vais tout raconter. Non, j'ai une idée. J'ai un don que personne d'autre n'a. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. Sauf que j'ai promis à Miss Peregrine que... En 1943, chaque jour nous vieillirons gentiment. On n'a plus besoin de toi pour se sentir en sécurité. S'est refermé. Elle a pris du danger. Oh. Pour chemin jusqu'en 1943. Peut-être, mais tu sais où ils étaient. J'étais dans le désert de Californie. Ensuite, j'ai passé 2 mois à Londres à essayer. Some feelings that I...